السلام عليكم التلاميذ الأعزاء، تلاميذ ثانية بكالوريا علوم رياضية مع هذه السلسلة ديال المراجعات التي ستهم في هذه الحصة لي سويت نيميريك ديفيني دو مانيير امبليسيت. هذا النوع ديال المتتاليات نوع مهم كما سنلاحظ في طريقة الاشتغال ديالو ولا في الأهمية ديالو التكوينية. إذا قبل هذا ما فيها بس نعاودو نديرو، إذا أولا الله يرضي عليكم سويت ريكورون، نذكروها سويت ريكورونت. هاد لي سويت ريكورونت اللي شفنا عندنا في المقرر يسون اون جينيرال دو لا فورم سويفونت، يو ان بلس ان ايغال اف دو يو ان، افيك هاد اف هادي كتكون اون فونكسيون كونتينيو، كونتينيو سوغ ان انسومبل سوغ ان انترفال اون جينيرال سوغ ان انترفال اي اي تيل كو، يعني الانترفال كومان يل دوا فيريفي كيل سوا ستابل بار اف، اف دو اي انكلو دون اي. De plus, il a quand la relation de récurrence d'ordre 2, comme c'est le cas ici, on obtient aussi une condition initiale pour initialiser la suite. U0, là, U1, ça dépend des situations, qui doit être un élément de U. Et comme exemple fondamental, vous avez en particulier vu, donc exemple, la suite qui vérifie de manière affine à UN plus B, avec une certaine U0 donc dans, comme condition initiale. Vous avez dit que c'est une suite arithmétique ou géométrique. Pourquoi? Parce que si je prends le cas A égale à 1, je tombe sur une suite arithmétique de raison B. Et si B égale à 0, donc si B égale à 0, je tombe sur une suite géométrique de raison A. C'est pour cette raison la suite elle est intéressante. Vous avez vu d'autres exemples en particulier, donc là c'est l'exemple 1, l'exemple 2, c'est le cas des suites homographiques que vous avez étudiées, AUN plus B sur CUN plus D, etc., etc. Il y en a d'autres suites. Maintenant, pour séparer entre suites récurrentes de la forme UN plus 1 égale F de UN et suite implicite, on va focaliser sur la deuxième partie, et suite implicite. Alors maintenant le deuxième, la deuxième partie, suite implicite. D'après son titre, là, les suites implicites, c'est qu'il n'y a pas de relation de récurrence directe, comme c'est le cas ici, et qu'on n'a pas la suite, le terme général de là en fonction de n. Donc en général, une suite est dite implicite, elle est, en général, elle est solution, qu'est-ce qu'on a une solution de l'équation. De l'équation du type, d'une équation du type f indice n de x égale à 0. Donc, une équation qui confère le paramètre n, un entier naturel, la solution d'Ina, dans le cas où cette solution il existe, il faut la justifier, on va voir comment, une suite qui n'est pas définie explicitement. Et là vient l'intérêt de ce type d'exercice-là. Alors, je donne tout de suite un exemple. L'équation EN. Ou l'équation, si vous voulez, la EN de type. La solution. Tout de suite un exemple. C'est le cas, comme c'est le cas, par exemple, de E de X plus X moins N égale à 0. Donc, là, vous voyez là. Donc, je vais vous dire soit XN soit xn, la suite, alors la suite, si vous voulez définir implicitement, telle que xn est solution de cette équation-là. D'abord, justifier que cette solution existe. On va étudier la qualité de cette suite-là, du point de vue. Est-ce qu'il est monotone, croissant, décroissant, est-ce qu'il est majeur et minoré, est-ce qu'il converge, quelle est sa limite, et on a les types d'études d'une suite. Bien, alors, essayez maintenant de faire la pause à la vidéo, montrez, faites le cas que la suite là, il existe, l'intervalle qu'il a fait, regardez, rappelez-vous quel est l'outil qu'il va falloir utiliser, ou bien, démontrer dans cet exemple-là que cette suite-là diverge vers plus l'infini. Alors on se revoit. Bien, alors on veut démontrer que cette équation-là admet une seule
seule racine qu'on va noter xn. Pourquoi il va admettre une telle racine? C'est ça l'objet de ce premier travail. Donc commençons par noter cette fonction-là, fn de x. Alors, lorsque je n'ai pas à calculer explicitement une racine, je vais penser automatiquement, si vous voulez, au théorème de la valeur intermédiaire qui nous assure l'existence. Donc, je peux chercher fn de 0, il est égal à e de 0 moins n, donc c'est 1 moins n. Je peux dire que ce nombre-là est strictement négatif. Je pars du fait, au départ, que n, je fixe n supérieur à un entier supérieur ou égal à 2. Maintenant, je dois chercher un élément dont l'image est positive. Pour conclure, comme je n'ai pas ça directement, je passe à la limite. Limite de fn de x quand x tend vers plus l'infini, elle est évidemment égale à plus l'infini. Ceci suffit pour conclure le théorème de la valeur intermédiaire. Pour les élèves qui sont beaucoup motivés pour savoir comment, alors là, je leur rappelle la définition de la limite. Quel que soit grand A positif, il existe un grand B, tel que si x supérieur à grand B, alors f de x, il est supérieur à grand A. D'accord? Donc ça, c'est cette limite-là. Donc je connais un x, l'image d'un positif, il suffit que je prends un x que je choisis qui soit supérieur à b, soit par exemple b plus 1. Donc là, je serai sûr que f de b plus 1 il est supérieur à grand A, et que grand A, bien sûr, il est positif. Donc je conclue d'après le théorème de la valeur intermédiaire. Donc l'existence d'une racine, elle est là. Donc c'est acquis. Pourquoi maintenant l'unicité? L'unicité, on a à calculer fn prime de x. Que vous voyez bien qu'il est égal à e de x plus 1, c'est strictement positif, donc la fonction est strictement croissante. Établissez s'il vous plaît le théorème, le tableau. Donc, j'espère que vous avez suivi et que vous avez même étudié le tableau de variation. Donc là, c'est 0 plus l'infini. Et là, c'est le signe de ma dérivée qui est positif. Et puis là, c'est ma fonction qui est strictement croissante vers plus l'infini. Et là, le 1 moins n, négatif. Et là, bien sûr, le xn, il est quelque part qui va dans l'image soit égal à 0. Maintenant, l'unicité de xn vient du fait que fn est bijective. D'après le théorème de l'objection, fn est bijective puisqu'il est continu, tout ce que vous voulez, croissant strictement. Et bijective de l'intervalle quoi? De r étoile plus vers l'intervalle n moins n plus l'infini. Et là, vous voyez, même sans utiliser ce fait-là, le théorème de 0, il est là. Donc, si vous voulez, pour 0, donc il existe un seul xn dans l'intervalle de départ, r étoile plus, qui vérifie f. Alors là, c'était fn. Fn de xn égale à 0. Voilà donc l'unicité et l'existence. Là, ce détail-là, tout simplement pour les gens qui veulent connaître pourquoi je peux appliquer le théorème de la valeur intermédiaire usuelle. Alors maintenant, je vous ai dit dans l'exercice qu'il s'agit ici de montrer que la limite de xn égale plus l'infini. Donc je vous ai dirigé pour démontrer ça. Donc, maintenant ce que je sais tout simplement que fn de xn égale à 0. C'est tout ce que j'ai en main. C'est-à-dire finalement que j'ai e de xn plus xn moins n égale à 0 ou bien tout simplement égale à n. Voilà. Donc, l'idée maintenant, l'idée de prouver que la limite de xn égale à plus l'infini, ça pourrait être, entre autres, que montrer que ma suite xn est minore ou la suite là qu'il faut trouver, et que cette suite-là est tend vers plus l'infini. Et par conséquent, ma suite sera aussi tendre vers plus l'infini. Donc, c'est ça l'idée. Donc, en fait, là, il s'agit donc de revenir à ce côté-là. Donc, je dois revenir ici. Pour ce faire, là, je vous rappelle que la fameuse inégalité, si vous voulez, c'est que e de x, ça, j'espère que vous savez ça, donc e de x est supérieur ou égal à x. Ça, partant du fait que si vous tracez l'exponentielle est comme ça,
et ma droite, x, elle est comme ça. Donc, E de x, elle est supérieure à x. Donc, là, ce que je peux donc faire, c'est que je peux majorer cette quantité-là. Donc là, je vais écrire doucement. Donc, j'ai xn, elle est, pardon, E de xn, elle est strictement même supérieure à xn. Donc, j'ajoute xn. Donc, xn plus E de xn supérieur à 2 fois xn. Est-ce que ça va m'arranger ça? Non, ce que je voulais dire, c'est ça. Inférieur à, donc, à E de xn. J'ai majoré, donc j'ajoute E de xn. Et là, ça va me faire xn plus E de xn. Faites avec moi attention, s'il vous plaît. Toujours, on n'est pas actif. Xn, voilà. Mais là, c'est n. Donc, je conclue finalement que 2 fois E de xn supérieur ou égal à n. Terminez, s'il vous plaît. Et bien sûr, vous déduisez bien sûr évidemment que puisque E de xn est supérieur à n sur 2, je passe au logarithme. Donc, bien sûr, essayez donc d'ajouter ces connecteurs et ces écritures-là en bonne forme. Entraîne logarithme n'est périen de n sur 2. Et maintenant, d'après le théorème des comparaisons, puisque cette suite-là est tend vers plus l'infini, je conclue, il faut l'écrire d'après le théorème des comparaisons, on déduit donc d'où limite de xn est aussi égale à plus l'infini. Et voilà le résultat qu'on avait demandé. Alors tout de suite avec un exemple classique. Donc soit n dans n étoile et fn de x, le polynôme défini par, là regardez, c'est comme c'est les termes d'une suite géométrique, et puis moins 1. Alors première question, montrer que l'équation fn de x égale à 0 admet une seule solution notée xn. Donc c'est la suite définie de manière implicite. Deuxième question, montrer que xn est décroissante et puis montrer qu'elle est convergente. Troisième et dernière question, montrer que la suite converge vers le nombre 1/2. Donc, prenez suffisamment de temps et on va revenir pour en discuter. Alors, reprenons la même méthode. Donc là, voilà ma fonction. Il faut que j'applique le théorème de la valeur intermédiaire. Donc, là, on nous a donné qu'on est sur R+. Donc, je vais calculer fn de 0. Ça se voit que je vais obtenir un nombre négatif. Et bien le deuxième point, il suffit par exemple de tester avec le point 1. Donc avec le point 1, j'aurai donc fn de 1. Donc là 1 et 1 jusqu'à n fois, et puis moins 1. Ça me fait n moins 1, qui est supérieur strict à 0, vu que je commence donc n supérieur ou égal à 2. Donc, d'après le théorème de la valeur intermédiaire, il existe au moins une solution que je vais appeler xn, qui est dans l'intervalle 0, 1, d'accord, et qui me vérifie ça, fn de xn égale à 0. Nous, on nous demande 2 plus l'unicité. Pour ce faire, il faut donc appliquer le théorème de la bijection. Donc, calculons la dérivée, fn prime de x. Donc là, vous voyez, ce sont des choses qui vont se répéter. Donc, ça va me faire combien n. Alors, n xn moins 1 plus n moins 1, les k xk, xk moins 1, xn moins 2, etc., etc., jusqu'au dernier, ça va me faire plus 1. Et vous voyez, puisque je suis dans R+, donc là, je peux déduire directement, donc, fn prime de x strictement positif. Dressez, s'il vous plaît, le tableau de variation et conclure. Bien, donc jusque-là, donc rien de magique. Donc mon tableau de variation, donc c'est x 0 plus l'infini. Et là, la dérivée, vous voyez que j'ai trouvé qu'elle est positive strictement. Donc là, l'image de 0, les variations de fn, l'image de 0, c'était combien? C'était moins 1. Et là, la limite en plus l'infini, c'est un polynôme de plus haut degré différent de 0. Donc positif, donc c'est même égal à 1, donc c'est plus l'infini. Donc, le théorème de la valeur intermédiaire, il va exister une suite là, l'emplacement de la suite, il est bien connu. Donc, voilà ma suite là, qui va me faire 0. Et de plus, alors maintenant, la bijection de fn, il faut écrire s'il vous plaît ces choses-là. De 0 plus l'infini
Même là, le 0, il est fermé. De 0 plus l'infini vers, donc c'est une bijection, de 0 plus l'infini vers, moins 1 plus l'infini. Donc cette bijection assure l'unicité de xn. L'unicité de xn en tant que solution de l'équation fn de x égale à 0. Bien. Bien, alors maintenant la deuxième question concerne la monotonie de xn. Plus précisément, démontrer que la suite est décroissante. Certainement, vous avez cherché donc comment démontrer que xn plus 1 il est inférieur à xn. C'est ça ma question. Donc, alors pour ce faire, là certainement vous avez essayé donc de faire intervenir la fonction fn en question. Je pense que ça serait le bon choix. Donc, pour motiver ce travail-là, regardons qu'est-ce qui se passe entre fn plus 1 et fn de x. Donc, fn de x. Alors là, fn de x, je rappelle que c'était xn plus plus x moins 1. Et alors que fn plus 1 de x, c'est tout simplement, je vais commencer par n plus 1. Et puis, celui qui va suivre, c'est xn, etc., etc., plus moins 1. Là, c'est intéressant donc de noter que fn plus 1 de x, il est égal donc ce terme-là, xn plus 1 plus fn de x. Ça pourra nous aider comme remarque. Donc d'après ça, si je remplace par n plus 1, qu'est-ce que j'aurai donc? J'aurai d'abord là, je peux remarquer une chose. Je peux remarquer que puisque mon x, je m'intéresse à l'intervalle 0,1. Donc ça c'est positif, donc je peux dire donc que ça, il est supérieur ou égal à quoi? Supérieur à n, à fn de x. Parce que ce terme-là, c'est positif. J'ai fait strict si je suppose que x ne peut pas prendre la valeur de 0. Donc, là, je vais finalement essayer donc d'exploiter le fait que xn plus 1, il y en a l'essentiel. Regardez, lorsque vous avez la fonction, ça à retenir. À retenir et à comprendre. Si vous avez ça, c'est l'équation En. Donc, xn, kaina fois l'intervalle i. Alors xn knf i et que je vérifie fn. Regardez s'il vous plaît là, même je vais noter en couleur les indices. F dl x, f indice n, ou na dl n. Donc ça égale à 0. Ce que vous pouvez déduire immédiatement, c'est que la chose marche aussi pour n plus 1, pour n plus 1, je vais vous parler à outen. Xn plus 1, lui aussi, reste dans l'intervalle i. Et là, rien ne change, je vais avoir n plus 1. C'est très important cette remarque-là. Donc, maintenant, à l'aide de ça, exploiter de plus cette inégalité-là pour trouver des choses. Donc, certainement, vous l'avez remarqué, donc d'après ce que j'ai dit là, que ça égale à 0, donc je reviens à mon inégalité là, et prendre le x, c'est xn plus 1. Donc je vais avoir fn plus 1 de xn plus 1, elle est supérieure à fn de xn plus 1. Donc là, j'ai remplacé le x par xn plus 1, mais ça c'est 0, d'après la remarque. D'autre part, le 0 est aussi égal, pour se ramener à une seule fonction fn, à droite et à gauche. On a aussi fn de xn, il est aussi égal à 0. Donc ce terme-là, c'est le même que celui-là. Donc il va être supérieur à fn de xn plus 1. Voilà la chose. Mais maintenant, vous savez bien que fn, il est strictement croissante. Or, fn, comme fonction, par rapport à x, est strictement croissante. Et là, vous savez qu'une fonction est croissante, il varie dans le même sens que bien les antécédents. Les images et les antécédents varient dans le même sens. D'où xn est supérieur à xn plus 1, ce qui donc assure que la suite xn est décroissante. Voilà. Alors bien, maintenant nous venons de vérifier
que la suite xn elle est strictement décroissante, et pour conclure à la convergence, là vous rappelez le théorème de monotonie et de convergence. Tout de suite décroissante minorée converge. Tout de suite croissante majorée converge. Je vous conseille de démontrer ça à titre de pour votre formation. Alors maintenant, la suite est bien minorée par 0 parce que alors or xn il appartient à 0, 1. Donc xn est minoré. Il minoré. D'après le théorème, d'où xn, xn est convergente. Voilà donc, on a montré la convergence. Il nous reste maintenant le problème de la limite. Donc prenez s'il vous plaît, faire suffisamment de réflexion pour me démontrer cette limite. Bien, donc j'espère que vous avez bien réfléchi. Donc je reviens à cette expression-là qui me définit, qui me définit l'équation dont xn est racine. Donc xn plus xn moins 1 plus etc. etc. plus x, si vous voulez, égal à 1. C'est la même chose. Hein? Donc égal à 1 ou moins 1 égal à 0, c'est la même chose. Écrivons que ça, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Ça va me faire le x factorisé b, mais je vais dire 1 plus, alors je le fais, 1 plus x plus plus etc. plus xn moins 1. Égal à 1. Donc, finalisez s'il vous plaît ça pour trouver une équation plus simple de forme. N'oubliez pas que vous travaillez avec x différent de 1. Bien, donc j'espère que vous avez vu que ça, c'est équivalent à la même chose que xn moins 1. Le nombre de termes ici, c'est n. Sur x moins 1, je suppose bien sûr que x est différent de 0, égal à 1. Et par conséquent, ça, je factorise ici, ça me donne xn plus 1 moins x égale x moins 1. Voilà, je multiplie terme moyen et terme. Donc, ça me donne xn plus 1 égale 2x moins 1. Regardez là, c'est la fameuse expression que je cherche, parce que je cherche à démontrer que la limite de xn, c'est 1 demi. Donc, on s'approche. Maintenant, si je remplace mon x par xn, j'aurai cette chose-là. N plus 1 égale 2xn moins 1. Et maintenant, vous voyez, donc là, il suffit maintenant que je démontre que ce terme-là, tend vers 0. C'est tout simplement ce qu'il vous faut pour démontrer. Si vous réussissez à démontrer que ça converge vers 0, alors cette quantité-là converge aussi vers 0. Et par suite, la limite de xn, c'est comme vous voulez, c'est 1 demi. Et elle a démontré, s'il vous plaît, que ce terme-là doit tendre vers 0. C'est un défi. Bien, alors certainement, vous êtes aperçu qu'il n'y a pas de choix que de revenir à mon équation. Ma fameuse équation de départ, celle-là, xn, plus xn moins 1, plus etc., plus x, et ça égale à 1. Maintenant, si vous regardez ça, moi, j'avais l'intention de faire apparaître cette puissance-là et de l'encadrer et puis voir sa limite. Donc là, le plus petit terme de ceci, le plus petit terme, c'est x à la puissance n. D'accord ? Donc là, si j'appelle cette somme-là Sn, donc Sn, il sera majoré, minoré, il est le plus petit des termes, xn. Donc, on va atteindre nxn. On a de l'autre côté, ça va me donner le plus grand, nx. Mais je vais voir celle qui m'arrange. Donc, le sn, n'oubliez pas que c'est 1. Donc, 1, il est majoré. Donc, je remplace par celle qui me donne ça, c'est le nombre xn. Et là, nxn à la puissance n. Voilà. Donc là, vous apercevez que la bonne inégalité que je cherche, c'est celle-là. Donc je vais écrire tout de suite que xn à la puissance n, elle est majorée par 1 sur n. Mais moi, j'ai besoin de à la puissance n plus 1. Pas de problème. Puisque je connais que xn, elle est majorée par 1. Donc je peux multiplier, puisque tous les termes sont positifs, je peux multiplier terme à terme. Allez-y, s'il vous plaît, finalisez ce que je viens de dire. Essayez de finaliser.
Bien sûr, maintenant les choses c'est clair. Donc j'obtiens, j'ai dit j'obtiens que xn à la puissance n plus 1, il va rester majoré par 1 sur n, d'accord? Et il va être positif puisque c'est le cas, puisque xn c'est un nombre entre 0 et 1. Et là, vous voyez là que j'obtiens une suite, d'accord? Cette suite, d'après le théorème des Jean-Bart, il va converger vers 0. Là, ne pas prendre cette suite-là comme c'est exponentiel log de xn fois n plus 1, sinon vous allez vous perdre. Cette suite-là, si je l'appelle un, n, un, il est entre 0 et 1 sur n, quel que soit n dans supérieur ou égal à 2, donc sa limite est égale à 0. D'où, je déduis que limite d'un un égale à 0, par suite, limite d'un 2xn moins 1 égale à 0, ce qui implique que limite de ma suite, d'après les opérations sur les limites, égale à n demi. Bien, donc d'abord dans la partie qui reste, je vais vous confirmer avec moi deux situations similaires, à condition de que vous allez les travailler avec compréhension, et on va terminer là. Bien, donc je viens, chers élèves, à la fin de cette séance, je vous propose des situations gradées, S1, S2. Donc, l'oula, on a un polynôme. Montrer que fn de x admet une solution xn, une seule solution. Vérifier que ça, dans cet intervalle-là, sont des choses évidentes. Signe, quel est le signe de fn plus 1 de x? Yani déterminer ce signe, c'est combien? C'est quoi? Et puis déterminer la limite de xn. La deuxième situation. Vérifier que l'équation admet une seule racine liée à xn. Étudier la monotonie de cette suite à votre charge, ou croissante ou décroissante. Vérifier que la suite xn, en parenthèse, n'est une suite, ce n'est pas un nombre, converge. Et si n est sa limite, alors le n ne peut pas être égal à 0, il est inférieur ou égal à 1. Notez bien, strict. Ensuite, montrer que les termes de la suite ils sont entre 0 et n, quel que soit n dans n. C'est une bonne question, c'est donc d'utiliser la monotonie. Et puis la cinquième et la dernière question, montrer alors par l'absurde que la limite ne peut être qu'égale à 1. Voilà, je viens à la fin de cette séance. J'espère que vous allez synthétiser d'abord les suites numériques définies implicites. Tabarakallah alaykoum et à bientôt, inshallah.